Âgée aujourd'hui de 35 ans, Dame Doy devra finir la saison du côté de Copenhague avant de penser à renouveler son bail dans un club où elle a fini de se mettre tous les supporters dans la poche. Meilleur buteur de l'histoire du club et du championnat danois, l'international sénégalais qui a marqué 9 buts en 34 sélections et à 137 buts depuis qu'il porte la tunique blanche ou bleue des Lions danois. Auteur de 8 réalisations et de 6 passes décisives cette saison avec l'FC Copenhague en 14 sorties, l'attaquant tiestois garde toujours son adresse devant les buts malgré le poids de l'âge et les blessures. L'ancien milieu défensif a depuis ses débuts de la Jeanne d'Arc de Dakar donné un nouvel élan à sa carrière. Malgré des passages réussis en Grèce avec le Panathinaikos entre 2007 et 2008, l'ancien buteur d'Al Sadd de Doha va enfin étaler tout son talent du côté de Copenhague. Le frère cadet d'Ousmane Doy va réussir à claquer 59 buts en 104 matchs dans le championnat scandinave. Meilleur buteur et 3 fois champion avec l'FC Copenhague. Le joueur formé au terrain de Brøndby de Jammegen va même découvrir la plus prestigieuse des compétitions, à savoir la Ligue des Champions, et devient un joueur cadre de la sélection sénégalaise avant de disputer les CAN 2012 et 2015. Après un bref passage en Russie au Lokomotiv Moscou, l'attaquant sénégalais dépose ses valises à Hull City. Et pour son baptême de feu dans la British Premier League, Dame Doy marque contre Aston Villa, mais loin de ses stats habituels. Dame marque 5 buts en 15 matchs et son expérience avec Sunderland n'est pas plus reluisant avec un petit but en 11 matchs. Mais entre-temps, le passage turc va remettre le Tiestois sur les rails. Une régularité retrouvée avec 60 matchs disputés et une adresse de goleador retrouvée. Dame Doy se lance un nouveau défi et retrouve son club de cœur Copenhague depuis la saison 2018-2019. Paris peut-être réussi, le Lion Rouge à nouveau marque 22 buts, termine meilleur buteur de la saison et remporte à nouveau le championnat. Mieux, l'international sénégalais devient le meilleur buteur de l'histoire du championnat avec ses 113 buts. Blessé depuis le mois d'avril, le numéro 14 des Lovernes, comprenez par là les Lions à rejouer en amical la semaine dernière avec l'équipe réserve de Copenhague. Une bonne opportunité pour l'ancien pensionnaire de l'Académica Coimbra qui a jusqu'au 31 juillet pour renouveler son contrat ou tout simplement faire ses adieux à un club où il a fini d'écrire son histoire. Disparu de la tanière depuis maintenant plus de 4 ans, Dame Doy souhaiterait probablement prolonger son bail chez les Lions danois afin de faire ses adieux devant ses 35 000 spectateurs et être probablement fêté comme cela se doit. Wait and see.